Bon, on est le 4 avril et c'est l'heure de s'enculer. Donc, on va y aller. On a la boisson pour rester hydraté, le post-workout, le pré-workout. Et puis c'est parti. Hein. Bon, en vrai de vrai, il est un peu tôt, mais je me fais un peu chier. Donc, on va aller chill là-bas. Il y a un canapé et tout. Donc, on se boit ça et puis on est parti. Let's go. C'est toujours de la créatine et des BCA. J'ai bientôt plus de whey, mais c'est pas grave. Et puis voilà, on y va, let's go. Bon, sinon, plusieurs nouvelles de Zinzin là. A priori, je vais faire la Swag Cup. Donc ça, en soi, c'est cool parce que je vais avoir la chance de battle Livan peut-être et Shahad. Donc c'est intéressant, mais je vais peut-être faire Swab si je gagne. Et là c'est autre chose. Putain, pour prendre des belles photos, il y a du monde avec Apple, mais pour avoir de la mémoire, il n'y a plus personne. Hein. C'est de la merde. Bref, je disais, Swab, ça va être une autre paire de moufles. Donc déjà, là on est le 4 et la Swag Cup, c'est le 27, donc j'ai pas de temps pour me préparer. Plus, faut que j'achète les billets, donc ça va être chiant parce que j'ai pas de thune. Mais on va faire en sorte que ça se passe. Et puis on verra bien. Niveau du ressenti pour l'entraînement d'aujourd'hui, j'ai un peu mal au bras droit, légèrement. Je pense que c'est à cause des pouces. Souvent, quand t'entraînes beaucoup les pouces, ça te fait des répercussions dans l'avant-bras et biceps un peu. Donc c'est pas trop grave. Ensuite, également, il y a Chris Heria qui va venir à la gym le 9, donc dans 3 jours. C'est intéressant. C'est... Attends, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 5 jours. Putain, je suis un débile mental. J'ai fait exprès de compter sur les doigts, t'inquiète, c'est pas... Je suis pas si débile que ça. Non, bah ça va être cool aussi parce que je vais pouvoir montrer ce que je fais à une très très grosse audience. Et ça, c'est intéressant. Et puis voilà. Là, on se rend. Putain, je suis beau un peu, non? J'aime bien les cheveux au milieu là, comme ça, comme un gay. Je trouve ça bien. Bref, on se rend à l'entraînement et puis on y va. Bon, alors pour résumer, on a Swag Up le 27 avril. On a Street Workout Fest le 2 juin. On a la compète en Suisse le 9 juin. Et tout dépend de si je gagne ou pas la Swag Up, on a la Swab. Donc ça fait énormément de travail en très très peu de temps. Donc on va faire en sorte que ça se passe. On va essayer d'aligner les étoiles pour que tout se passe bien. Moi, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Donc, c'est vraiment le moment où je dois me prouver. Je dois vraiment faire un nom. Et ouais, parce que c'est la première année où je vais faire autant de compétitions et où je vais être partout et où je vais tout faire, tu vois. Donc, c'est vraiment maintenant ou jamais. Là, c'est feu au plancher. C'est vraiment, j'ai tout à gagner, rien à perdre. C'est vraiment. C'est soit ça commence maintenant, soit ça finit maintenant. En gros. I've always been the weakest, and I've been mocked for it at every turn. Weak, so I get a crappy nickname. I'm weak, so no one believes in me! I want strength! Peace.
strong go into every situation with an advantage, while the weak quiver in fear or stand around helplessly. The weak get looked down on. The weak always lose. What I need now is true strength, and I am not gonna give up until I get it! J'arrive pas à respirer, j'arrive à rien faire. Je suis stressé. J'ai fait 3 combos et après les 3 combos c'était fini. Donc ça me fait chier de le dire, mais je vais rentrer chez moi en tant que loser. Et voilà, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Il y a des fois où ça marche pas et c'est comme ça. Ça aura été un live assez, un vlog assez court, mais bon, pas grave. On va continuer la préparation, il y a des jours avec, il y a des jours sans, bah aujourd'hui c'était un jour sans. Même pas parce que au bout du compte j'étais bon en planche aujourd'hui, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Enfin bref, prenez soin de vous les gars, faites attention à vous, entraînez-vous bien, ciao.